Maître de Michel, encore une fois, qui te prend micro la presse lui-même pour le casser, mettre dans le gouvernement et tout voyer un message by police nationale là, spécialement DG police nationale là, Léon Charles, pour dire ça qui arrive dans le village là, qui fait police arriver victime, c'est dans mauvais gestion l'État, c'est dans mauvais gestion DG la police là. Et Maître André Michel fait qu'on est qui sacrivé à c'est un bagage qui peut être planifié parce que nèg yo même yo te gen des appareils nan men yo nèg yo te connaît très bien ça y a fait alors si yo capable voyer police yo même al victime dans village là c'est peut-être parce que yo même ça te planifié déjà. Maître André Michel pas mettre de l'eau dans bouche li cassé mettez nan men président Jovenel Moïse et fait qu'on est lui-même li prêt pour camper avec peuple haïtien, li prêt pour capable défendre peuple haïtien jusqu'au bout, jusqu'à ce que li déraciner régime PHTK ça. Nous pas laisser vivre comment ça atterri dans une vidéo comment mettre André Michel lui-même li tape cassé mettre dans main pouvoir en place là, comment lui-même li tape accusé pouvoir en place là, comment li tape voyer doit sous DG PNH là. Avant même que nous laissions visualiser vidéo, avant même que nous entrer dans l'analyse, qui t'en prend quelques petits temps pour nous saluer et remercier ou même qui a regardé vidéo ça, ou même qui déjà pral partager et ou même qui déjà pral quitter un commentaire pour dire nous comment ou concevoir ça qui a passé dans le pays à journée jeudi. Laissez un commentaire pour dire nous selon ou même comment ou concevoir ça qui a passé dans le pays à journée jeudi. Est-ce que peut-être ça qui a passé dans le pays, c'est président Jovenel Moïse qui la cause, ou bien est-ce que c'est opposition lui-même qui empêche pouvoir en place là travail qui fait président Jovenel Moïse même pour a abouti avec bon résultat, parce que nous souvent président Jovenel Moïse depuis le prend micro la presse lui toujours a fait des promesses mal répétées. Président c'est un monde qui toujours a fait promesses lui, et selon information qui pas jamais vle tenu jeune des promesses à eux. Mais encore une fois, maître André Michel lui-même te prend micro la presse yon façon pour longer douette sous pouvoir en place là. On visualise vidéo et maître André Michel dans vidéo, et puis après n'a pas tourné pour plus de commentaires. Les policiers travaillent dans des conditions difficiles pour des pouvoirs en place là lui-même, la fait alliance avec gang pour faire kidnapping, pour compliquer la bataille des policiers pour la sécurité. Nous tous nous constatons que j'ai un massacre au village de Dieu, 12 mars 2021. Et nous tous nous connaissons que faire opération village de Dieu à échouer. C'est parce que les policiers n'ont pas un système de renseignement qui fonctionne. L'argent qui vient pour renseignement par les nationales mangent. Et deuxièmement, avant même l'opération commence le village de Dieu, par les nationales et les bandits, ils disent bandits, les policiers viennent faire opération et ça fait des dans le trou pour massacrer les policiers. Le 30, à bonne journée de mobilisation pour nous dire solidarité nous avec les policiers qui aujourd'hui a gagné des revendications fondamentales, revendications pour rejoindre corps, camarades, yo assassiné il a été tué que yo enterré. Ça c'est minimum. Ça que nous dit Léon Charles lui-même, son chef la police sans dignité, sans caractère. Parce que quoi alors son chef la police? Ou alors son chef la police, qui compte ça, ça veut dire chef la police. Écoutez, Léon Charles, il était supposé assumer responsabilité pour chercher cadavre policier dans le village de Dieu. Pour il a cherché cadavre pour le famille, pour l'enterrer dans la dignité, il paye l'argent pour la chercher en blanc. Et au team, il mettait All Black. Qui est-ce qui a dit All Black là? C'est Barbecue, mon chef. Ça veut dire qui ça? Léon Charles, Jodia. Les gagnants des alliances avec barbecue, avec le chef de camp. Dans une situation comme ça, il faut nous porter solidarité, nous, par les policiers, et c'est ça qui fait journée 30 ans nous lancer. Le 28-29, c'est mobilisation pour respect constitutionnel. Mais ça qui est important, ce n'est pas seulement mobilisation pour respect constitutionnel. Jovenel Moïse, son cadavre, on a fini depuis 7 ans. Mais pas vrai, n'a privé faire la constitution respecter, n'a privé déproquer Jovenel Moïse pour déproquer. Mais ça, c'est plus important, ces batailles, pour nous craser le système baisé sous C, qui s'y maille misère avec inégalité dans 4 pays. C'est ça, c'est plus important. Et
c'est système inégalité ça qui jodia 8 février 2021 mandat constitutionnel Jovenel Moïse fini et puis il signé un document li bay à peine 18 millions de dollars américains pour faire zone franche il bay à peine environ 10 000 caotères paysans et maïsades, paysans Saint-Michel Latalaï, paysans Trou du Nord, Saint-Raphaël, pour la zone franche. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. C'est-à-dire que comme nous avons pays, c'est pour à peine lié. Et comme nous avons nous tout qui là, ça avec à peine notre travail, avec à peine. Et c'est ça que le secteur démocratique là, obligé de construire des outils politiques qui est capable de transformer l'État et changer les conditions de la vie. Parce que nous ne pouvons pas accepter ça. Mandat, monsieur, fini depuis 7 février. 8 février, nous pouvons arrêter. Il va y avoir 18 millions de dollars américains. Il va y avoir plus de 10 000 carottes paysans. Nous-mêmes, nous disons à peine 1. Remettre comme là. Remettre comme là, retourner comme là dans notre trésor public. Et nous disons deuxièmement, paysans, ils ont le droit de reprendre terre. Nous disons paysans, reprenez parce que Jovenel Moïse pas le droit de faire paysan 8 février 2021. Et c'est sa bataille secteur démocratique là, et ça qui est vraie bataille peuple là. Son bataille pour nous changer effectivement condition la vie peuple. Condition la vie policier, professeur, ou dans le quartier populaire. Jeunes, femmes, c'est ça qui est plus important et c'est dans la bataille ça, secteur démocratique pour nous réagir. Je vais tout annoncer nous que lundi cabinet, nous avons plein de côté cabinet d'instruction. Parce que c'est nous-mêmes qui avocats, famille policiers au massacre de l'Aïe de Dieu, 12 mars 2021. Eh bien, lundi cabinet, nous prenons le côté plein. Contre tout le monde qui n'a aucun commandement la police là. Et nous prenons le côté plein. Contre tout le monde qui participait dans le massacre policier nous dans le village de Dieu vendredi 12 mars 2021. Parce que c'est inacceptable. Nous massacrer les policiers, nous couper les cadavres, nous traîner les cadavres dans la bourrette. Et puis. L'État qui dit cadavre en bas, qui a pris le cadavre, et puis Léon Charles a négocié pour capable de un chablin. Cela est inacceptable. Le secteur démocratique là a continué à accompagner le peuple là dans la bataille pour nous capables de changer les conditions de la vie. C'est ça qui est plus important. Et pas oublier, 28 mars, 29 mars, c'est mobilisation pour respect. Mais quand on a mobilisé pour respect la Constitution, hein, ça qui est plus important, c'est mobilisation, c'est bataille pour nous changer, pour nous craser le mode de l'État. On l'État cadavre, on l'État reste avec. Si ce n'est pas ton l'État reste avec, il ne peut pas quitter le monde dans le quartier populaire sans l'école professionnelle. Il ne peut pas quitter les policiers sans le bagage. Il ne peut pas quitter le peuple là sans l'école pour petit. Sans l'hôpital, les malades, et puis pour 8 février, pour y'a prendre 18 millions de dollars américains, y'a pas un seul monde la paix. Y'a prendre tout les pays, probable, et ça, l'État reste avec. Et c'est l'État ça pour nous changer. Et bataille ça, c'est bataille fondamentale, secteur démocratique et populaire, pour ne pas vous débattre. Et c'est ça que fait, pendant la mobilisation, on a structuré le secteur démocratique et populaire. Je dis, hein, nous représentons dans tout département, nous représentons dans plus que 50% de communes. Très bientôt, dans toute communion, dans tout quartier, il faut consolider une force politique capable de matérialiser le changement rêvé par le peuple haïtien. Voilà l'objectif du secteur démocratique. Merci à vous. Je dis à nous de faire une réunion stratégique avec différentes coordinations départementales, secteur démocratique. Chaque coordination a gagné au moins 7 personnes dans la réunion. La réunion ça permet de comprendre que aujourd'hui, pendant que nous parlons là, dans chaque département géographique dans le pays, secteur démocratique l'a gagné une coordination départementale solide, bien implantée,
bien organisé. Et ça, sont félicitations pour tous responsables départementaux qui ont participé à la rencontre qu'il a. C'est une très bonne nouvelle, sont excellentes nouvelles dans chaque département géographique qui est dans le pays. Le secteur démocratique et populaire, gagner une coordination départementale, bien organisée, bien implantée. Il y a une femme là-dedans, il y a quelqu'un qui a 50 ans là-dedans, il y a quelqu'un qui a 70 ans, il y a quelqu'un qui a 20 ans, il y a quelqu'un qui a 20 ans. Ça veut dire, le secteur démocratique là, sur le plan structurel, nous représenter dans tout département géographique. Deuxième élément, nous y rejoignons qui est très important, c'est que pendant la parole là aujourd'hui, le secteur démocratique là représenté de manière structurée, de manière organisée, dans 50% communes qui sont dans le pays. Son bagage extraordinaire et là encore son félicitation totale capitale pour communes sérieuses qui sont déjà structurées dans nos secteurs démocratiques. Et dans le jour où nous venons là, il faut nous représenter dans 100% communes qui viennent dans le pays d'Haïti. Parce qu'il faut nous construire un outil qui est capable de construire l'État, André Nel lui-même a parlé là. L'État qui pour défendre l'intérêt massif. L'État qui pour défendre l'intérêt professeur. L'État qui pour défendre l'intérêt diaspora. L'État qui pour défendre intérêt jeunes, intérêt familles, intérêt paysans, l'État qui peut défendre intérêt socio-professionnel, intérêt des machins, l'État qui peut bailler sécurité dans le pays, il faut nous construire. Mais pour le construire, même si bon Dieu l'aime nous, c'est vrai, même si les moyens l'aime nous, c'est vrai, l'esprit l'aime nous, c'est vrai, mais il n'y a pas venu construire pour nous, il y a guidé nous, il y a aidé nous. Mais c'est nous pour construire, et pour nous construire l'État ça, pour nos outils politiques solides. Voilà pourquoi nous engager dans la bataille pour nous structurer le secteur démocratique. L'autre bagaille qui est important, c'est que son mobilisation soudaine. Pendant que le secteur démocratique là lui-même, il a marché sur deux pieds. Pendant il y a un effort qu'a fait pour nous renforcer nous. Sur le plan structurel, mais on a continué dans la logique de mobilisation pour respecter la Constitution. Et c'est ça que fait, 28 mars, 29 mars, dans la rue, dans la mobilisation, ensemble avec toute société civile là, pour nous continuer à exiger respect de la Constitution. Et le 30, c'est une journée de mobilisation pour supporter les policiers dans la bataille à mener parce que les policiers travaillent dans des conditions extrêmement difficiles pour nous mettre en sécurité.